Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de découverte de notre département, de ses habitants, de leur parcours et de leur œuvre. Avec nous cette semaine sur le plateau de La Vie en Vosges, trois invités. Marie-Claude Pierrat, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, ce n'est pas votre métier, on va se détailler tout cela dans quelques instants. Laetitia Renders, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, scénariste et c'est votre métier, vous habitez Eloa, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et vous êtes venue avec Manuel Villanueva y España, on va dire ça. Vous êtes illustrateur, mais ce n'est pas votre métier. Vous êtes principalement enseignant d'espagnol, professeur d'espagnol à l'IUT d'Épinal. C'est cela même. Merci à tous les trois d'être sur le plateau de La Vie en Vosges. Donc vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous allons parler d'histoire, nous allons parler de romans, nous allons parler d'illustration. Je montre tout de suite ce livre, Marie-Claude. Alors, votre vrai nom, Marie-Claude Pierrat. Votre nom d'auteur, Marie-Claude uniquement, et vous venez de sortir, c'était quoi, le printemps dernier déjà hein, ou, février 2021. Second ouvrage, un peu plus loin, le premier, rappelez-moi le titre du premier que je voulais présenter. La courte échelle. Donc ça c'est votre second ouvrage, voilà. Auto-édité, combien d'exemplaires? 800. 800. On va se détailler cela dans quelques instants. Et donc, Laetitia et Manuel, vous venez nous présenter Valentin et Valentine. Donc, une histoire jeunesse, évidemment, éditée aux éditions Décalogue. Et elle est éditée notamment dans le cadre du Téléthon, du prochain Téléthon, le premier week-end de décembre, bien évidemment, avec des recettes de vente qui seront livrées, évidemment, qui seront données pour l'AFM, l'association Téléthon française. On se détaille ça et on regarde l'intérieur dans quelques instants. Marie-Claude, vous l'avez dit, donc je l'ai dit en introduction, ce n'est pas votre métier. Non. Et vous êtes venue dessus sur l'écriture un petit peu sur le tard. Racontez-nous un petit peu. Donc ça, c'est le second ouvrage. Premier, c'était La courte échelle avec plus ou moins une même infographie. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce que ça racontait, La courte échelle? Alors, La courte échelle, c'est l'histoire d'Hélène, qui est mère de famille, qui a trois petites filles, qui a perdu son mari. Donc, c'est une famille endeuillée, c'est une famille en souffrance, qui va voir apparaître dans sa vie des inconnus qui vont venir lui emprunter sa machine à laver, son monospace, son potager. Voilà, donc c'est une histoire qui est ancrée au cœur des Vosges, un petit côté local. Et qui parle de deuil, de vie de famille, et que j'ai voulu drôle et émouvante. Alors, on va se permettre de préciser que vous êtes maman de trois enfants. Tout à fait, oui. Que votre mari est toujours bel et bien en vie. Vivant, voilà, oui. Hein. Mais c'est important dans le sens où ça permet quand même de mieux vous connaître et puis surtout de comprendre votre façon de d'écrire et de raconter une histoire. Donc le premier livre, hein, la courte échelle. Comment vous êtes venu à l'écriture, tout simplement? Racontez-nous. Vous étiez déjà frotté à l'écriture. Qu'est-ce qui vous intéressait? Qu'est-ce qui vous interpellait? Vers quoi vous vouliez aller? Alors, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours été relativement à l'aise à l'écrit. Et puis, à l'occasion de la naissance de mes enfants, notamment, j'avais été amenée à écrire des petits textes de circonstances ou alors pour les grandes occasions comme les mariages. Mmh. Je me sentais relativement à l'aise là-dedans. Et puis, en 2018, je m'apprêtais à reprendre le travail après un troisième congé maternité, qui avait vraiment été une jolie parenthèse. Travail, là, si je peux me permettre, je ne l'ai pas dit, vous êtes notaire à... Rue sur Moselle. Donc là, à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de m'épanouir ailleurs que dans ma vie de famille et dans ma vie professionnelle. Donc j'ai commencé un roman. Alors c'était un petit peu particulier parce que j'ai commencé à l'écrire en étant persuadée que je n'irais pas au bout. Ah. Ça me paraissait énorme, je me disais un roman. Et puis quand même, ça m'amusait beaucoup. Et puis plus j'écrivais, plus ça devenait fluide. Tant et si bien que 4 mois plus tard, j'avais terminé la première version. De la courte échelle, d'accord. Voilà, oui, tout à fait. Donc j'ai commencé à la faire circuler un petit peu, les retours étaient plutôt positifs. Donc j'ai élargi un petit peu, je l'ai réécrit, j'ai élargi un petit peu la diffusion dans mon cercle proche et au-delà. On a l'affiche, on a la couverture. Voilà. Et puis ensuite, j'ai pris la décision de le publier. Voilà. À combien d'exemplaires et quelle première leçon, quel premier renseignement évidemment de ce premier texte?
Alors, la courte échelle, le 1000 exemplaires aujourd'hui. Que vous avez quelque part, j'imagine, distribué, vendu ou pré-vendu vous-même auprès de toutes les librairies du coin. Il était, oui, hein, oui, oui, tout à fait. Non, en termes de distribution, voilà, c'est un travail énorme. Voilà, oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé par une maison de la presse et puis après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin tranquillement. J'ai démarché certaines librairies, les maisons de la presse, certains supermarchés. Et puis, de 1 point de vente, aujourd'hui, je suis passée à 40. Voilà. D'accord. Mais en faisant les choses tranquillement, à mon rythme. Laetitia Renders, vous êtes une auteure professionnelle depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Qu'est-ce que vous inspire ce tout début de parcours de Marie-Claude Pierrat? Est-ce que ça a été comme pareil pour vous? Je n'ai pas fait d'auto-édition personnellement, donc j'ai directement été en maison d'édition. Ouais. Maintenant, effectivement, c'est 1000 exemplaires au niveau du départ, c'est déjà un bon chiffre. Et puis, ouais, être bien distribué au niveau des librairies, c'est bien. C'est Alors, un bon début. Vous êtes romancière plutôt de fantastique. J'ai commencé en tout cas avec du fantastique, avec donc Rouge Poison et La Gardienne du Miroir, qui étaient les tomes... les plus vendus, je dirais. Et puis, je me suis un peu diversifiée. J'ai fait du thriller, du polar, du roman historique, du jeunesse, notamment avec Valentin et Valentine. Et un jeunesse qui vient d'arriver pour les adolescents, Rêve aux vies, qui vient d'être publié également il y a peu. Marie-Claude Pierrat, qu'est-ce que vous inspire le parcours d'une auteure professionnelle comme Laetitia à côté de vous? Ça vous donne envie? Je trouve ça assez fascinant. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous consacrer uniquement à l'écriture, de raconter une histoire, de vous impliquer vraiment à 100% là-dedans et de pouvoir en vivre, ce qui est quand même une grosse difficulté, évidemment, quand on est passionné par quelque chose, on peut l'être, mais encore faut-il pouvoir se le permettre. Oui, tout à fait. Alors, je trouve ça vraiment remarquable. Pour ma part, c'est pas un souhait. Parce qu'aujourd'hui, l'écriture, ça reste un à côté. C'est assorti d'aucune contrainte pour moi, ni de contenu, ni de délai, ni de quoi que ce soit. J'écris quand j'ai envie d'écrire. Je vends mes bouquins quand j'ai envie de vendre mes bouquins. Et c'est très bien comme ça. Deuxième ouvrage, Marie-Claude Pierrat. Marie-Claude sur la couverture, un peu plus loin. On va tout de suite comprendre pourquoi cette couverture, avec évidemment la forêt. Puisque l'idée, c'est que vous vous appuyez sur quelque chose qu'on connaît bien évidemment dans les Vosges, à savoir l'Infernal Trail de Saint-Nabord. Infernal Trail pour dire des distances de plus de 200 km. On est monté jusqu'à 260, me semble-t-il, à Saint-Nabord. L'idée, vous vous êtes appuyé sur ce petit monde de la course à pied qui vous était complètement étranger. Presque, oui. Vous êtes amusé à courir un petit peu. Voilà. Allez, racontez-nous. Pourquoi cette histoire? Pourquoi ce thème? Pourquoi cette ambiance? Pourquoi cet univers? Alors, au départ, j'avais en projet d'écrire un roman sur le monde de l'entreprise. Parce qu'il me semblait qu'il s'y jouait des choses au niveau humain qui étaient tout à fait fascinantes et qui pouvaient facilement donner naissance à une intrigue. Donc, j'avais commencé à bricoler le plan de l'histoire. Et puis, il se trouve que quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée au bord des sentiers de l'Infernal, justement, pour soutenir un coureur. Alors, l'Ultra Trail, c'est quelque chose qui me trottait un petit peu dans la tête. Je m'étais dit, pourquoi pas pour une troisième histoire. Et là, je me suis dit, mais non, en fait, je vais allier les deux, le monde de l'entreprise et l'Ultra Trail, et je vais en faire une histoire. Voilà. Avec toujours comme personnage principal une femme. Tout à fait. Forcément. Oui. Alors, dans la première histoire, on a bien compris que, évidemment, votre narratrice, ce qu'elle avait de vous, c'est notamment les trois enfants. Oui. Qu'est-ce que Agathe, la narratrice d'un peu plus loin, a de vous? Rien. Ah, donc vous êtes vraiment allé. Vous avez exploré l'imaginaire. Oui, oui, okay. Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est une femme au caractère assez fort, qui a un petit côté rebelle, qui est très indépendante, elle est fonceuse, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Donc c'est à peu près mon opposé. C'est ce qui a rendu l'écriture encore plus difficile, parce qu'il a fallu que je me mette dans la peau de quelqu'un qui n'était pas du tout moi.
Et puis dans cet univers aussi, à savoir Voilà. l'univers de la course à pied Tout sur à le. fait. Voilà, on est sur de l'ultra trail, donc c'est vraiment très très singulier. Oui. D'ailleurs, évidemment, vous, enfin évidemment, c'est votre choix. Vous racontez les choses, bah, de façon chronologique, quoi. Oui, Ça, on part pour... du début de la course et on suit la course, quoi. Voilà, absolument. Hein. Je me suis calquée sur le parcours de l'Infernal 200 tel qu'il existait en 2019. Ok. Et géographiquement aussi. Aussi, oui, tout à fait. D'accord, c'est important ça de plonger. C'est quelque chose que vous souhaitiez que les lecteurs, et notamment vosgiens, puissent s'identifier? Oui, tout à fait. Et le parcours de l'Infernal avait ça d'intéressant qui permettait vraiment de mettre les choses en avant, parce qu'il y a les Vosges en avant, pardon, parce qu'il y a une diversité de sentiers, de terrains, de paysages qui étaient absolument fantastiques à exploiter. D'ailleurs, il a été apprécié de ceux qui aiment randonner dans les Vosges, parce qu'on retrouve plein de lieux communs. D'accord, on peut se projeter. Voilà, tout à Ok. fait. Donc je représente un peu plus loin Marie-Claude. Combien d'exemplaires celui-ci? 800. 800. Ah donc, tout à l'heure vous avez dit 1000 pour le premier, ce qui veut dire Oui, qu'il voilà, y a c'est ça. moyen de faire un retirage. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, l'auto-édition, c'est facile maintenant, Laetitia. Un petit mot là-dessus sur l'auto-édition. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas, y a pas tout ce qui est évidemment commercial, circuit de distribution derrière, mais voilà, ça permet à tout un chacun d'avoir accès à L'écriture. l'écriture et à l'objet livre. Oui, Qu'est-ce très que vous en bien. pensez? J'en pense rien de particulier. Même en auto-édition, il faut beaucoup, enfin, il faut travailler, Ah oui, ça. il faut être auteur, il faut être éditeur, il faut être graphiste, il faut tout faire en fait, de A à Z. Donc c'est peut-être pas toujours facile. Donc il faut bien s'entourer avec de correcteurs, etc. Donc quand on est bien entouré et qu'on sait faire tout, il faut se lancer. Mais c'est peut-être pas toujours. Oui, c'est facile, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Allez, je présente le livre et puis on va parler évidemment avec un petit peu Manuel. Je ne vous ai pas donné la parole pour l'instant. Valentin et Valentine, donc Laetitia Renders et Manuel Villanueva. Illustration évidemment, Manuel Villanueva. Manuel, un petit mot sur ce travail. C'est Laetitia qui est venue vous chercher? C'est ça, oui, c'est donc on se connaît depuis quelques années et Laetitia donc est venue me enfin m'a proposé en fait d'illustrer son prochain livre pour la jeunesse. Et j'en ai pris connaissance donc au mois de juin. Et ben voilà, je me suis mis, j'étais tout de suite fasciné et intrigué par l'histoire. Au départ, un peu craintif aussi, parce que comme c'est mon premier livre en tant qu'illustrateur, du coup, c'était un petit challenge qu'il fallait que j'arrive à relever. Et ça a été vraiment un plaisir de collaborer avec Laetitia pour pouvoir arriver à ce résultat. Alors, on va voir tout ça dans quelques instants en images. Laetitia, qu'est-ce que raconte ce livre, tout simplement, qui est une émanation d'un premier livre, donc qui s'appelait également Valentin et Valentine, hein, c'est bien ça. Donc là, c'est Valentin et Valentine, une petite fille, pas comme les autres. Quel était le premier titre jeunesse que vous aviez sorti? Donc Valentin et Valentine n'a pas sommeil. Donc c'était sorti en deux parties. Donc Valentin et le Valentine. Donc c'est Valentine au chant de mandarine et Valentin au chant de raisin pour jouer Alors, en deux parties, mais dans un même ouvrage. Non, Ah, c'était deux deux ouvrages ouvrages d'accord. séparés. Oui. Donc Ok. l'enfant ou les parents pouvaient choisir d'avoir le comméro une petite fille ou un petit garçon au choix. Qui était votre illustrateur de l'époque? C'était un Belge, Julien Glaude. Vous êtes originaire de Je Belgique, on suis l'a pas dit. belge, oui, tout à fait. Allez, Valentin, Valentine, donc en collaboration avec le comité départemental de l'AFM, hein, le Le Téléthon. Téléthon. Voilà, comment est venu ce partenariat? Ils m'ont proposé d'être la marraine pour les Vosges. Et donc je me suis dit que j'allais faire un ouvrage et que mes droits d'auteur seraient intégralement redistribués pour l'AFM Téléthon. Donc je voulais trouver un illustrateur de la région également, donc des Vosges, et j'ai pensé donc à Manu. Qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est une petite fille, donc Alice, qui débarque au champ de mandarine. Il faut savoir, dans le premier ouvrage, je le rappelle d'ailleurs en début pour les petits-enfants qui n'ont pas eu le premier ouvrage, que pour pouvoir accéder au champ de mandarine, il faut demander à maman de mettre quelques gouttes d'huile essentielle de mandarine dans un diffuseur un quart d'heure avant de dormir. On respire l'odeur de la mandarine et
Le rêve fait le reste, et on se retrouve aux portes donc, du jardin. Le chant de mandarine, évidemment, c'est le sommeil. C'est le sommeil, voilà, c'est les rêves. Et un petit peu en fonction de ce qu'on respire comme odeur, donc la fraise, le cassis, le raisin, on se retrouve devant la grille qui correspond à l'huile essentielle. Et alors arrive la petite Alice, qui malheureusement n'a plus d'odorat. Et donc elle se retrouve devant toutes les grilles, elle ne sait pas du tout... où aller, puisqu'elle ne sait pas quel fruit elle a senti. Et donc, Valentine croise son chemin et l'invite au champ de mandarine. Et elle explique donc à Valentine pourquoi elle n'a plus d'odorat. Et elle explique qu'elle a une leucémie, qu'à cause des traitements, elle n'a plus de cheveux et plus d'odorat, plus de goût, et qu'elle a des traitements assez lourds. Au départ, les enfants sont assez craintifs parce qu'ils ne connaissent pas la maladie, ils ont peur de l'attraper. Mmh. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, elle s'explique et les enfants comprennent assez facilement que finalement, elle est comme les autres. Mais malgré tout, comme elle n'a pas du tout de cheveux et que tout le monde, elle ne se sent pas comme tout le monde. Et alors, à Valentine, elle a une petite astuce, elle va chercher un grand sac où il y a des bonnets de bain. Tous les enfants mettent leurs bonnets de bain, comme ça, ils sont comme Alice. Voilà, en grand résumé, l'histoire. Donc, c'est vraiment pour la différence, pour ne pas faire de différence, justement, entre un enfant malade, un enfant normal, et l'acceptation entre les enfants qui, parfois, peuvent être méchants l'un avec l'autre. Si peu. C'était une commande. Non, c'était pas une commande. C'est moi qui ai écrit l'histoire et je l'ai proposé pour le Téléthon. Mais enfin, à mon éditeur pour le Téléthon, mais c'est pas une commande, ça vient de moi. Ok. Comment vous avez accompagné cette histoire, Manuel ? Racontez-nous les dessins. On en voit quelques-uns. On a évidemment la couverture. C'est entre guillemets. Facile, puisqu'on est dans le monde des rêves. Alors certes, il y a un petit peu du lourd, il y a la maladie, il y a les relations entre enfants, etc., qui peuvent être parfois compliquées, dures, mais ça reste quelque chose de très imaginaire. Oui, c'était le but, en fait, c'était de rendre quand même l'ensemble imaginaire et léger, quand même. Et donc, voilà, au départ, c'était la recherche du design du personnage d'Alice, sur lequel il fallait essayer de montrer sans trop en faire non plus. Et voilà, au fur et à mesure, je proposais à Laetitia les diverses illustrations que je voulais mettre en place. Elle les validait, puis on passe aux étapes suivantes, l'ancrage, la mise en couleur. On a un petit côté manga, si je peux me permettre. Oui, c'était en fait le prérequis de base. En fait, c'était de donner un petit peu cette touche manga aussi justement au personnage. Pourquoi ? Bonne question. Pourquoi pas ? Finalement. Non, parce que ça me semblait être le côté un peu chibi comme ça permet de pouvoir avoir des personnages mignons et les rendre. On va dire un peu plus, malgré la maladie ici, les rendre de toute façon plus faciles de lecture pour les enfants en tout cas. Ok, et le résultat fonctionne particulièrement bien, effectivement. C'est plaisant à regarder, c'est Merci. Plaisant à lire aussi, parce que c'est un album jeunesse, hein, on est bien d'accord. Donc, quel âge, grosso modo, le public ? À partir de 3 ans, quand c'est les parents qui lisent, jusqu'à 7-8 ans, l'apprentissage de la lecture, d'autant que la police est pour les dyslexiques. C'est-à-dire ? La police est particulière, c'est la police dyslexique, donc ça les aide apparemment. Donc certaines lettres sont le B, le P. D'accord. Ont une forme particulière qui les aide à mieux cerner les différentes lettres. Ok, effectivement, ça, c'est quelque chose. On voit bien la démarche un petit peu globale, effectivement. On y revient dans quelques instants, si vous voulez bien. Dans cette émission, il y a un traditionnel quiz que je vais vous soumettre. Allez, deux questions à nos trois invités et à vous aussi, évidemment, qui nous regardez. Deux questions sur le thème littéraire. Allez, première question. Quel prix littéraire est surnommé le Goncourt Lorrain ? Est-ce le prix Stanislas, le prix Erckmann-Chatrian ou le prix Marcel Defranou ? On va aller dans ce sens-là. Manuel ? Je pleurais pour le troisième. Le prix Marcel Defranou ? Oui. C'est juste par rapport au nom, ça. Exactement. C'est un nom qui vous parle. Voilà. Okay. Peut-être. Le 2. Laetitia ? 2. Le 2. Moi, je dirais le 1. Ah,
C'est pour le moins hétéroclite. Eh bien, c'est Laetitia qui gagne, évidemment. Le coup, mais en même temps, ça m'étonne qu'à moitié, on est bien d'accord. Le contraire m'aurait un petit peu interpellé quand même. Le prix Herkman Chatrillon, surnommé le Goncourt Lorrain, et qui récompense chaque année depuis 1925, s'il vous plaît, 1925, qui récompense une œuvre écrite par un Lorrain ou Lorraine, évidemment, ou concernant la Lorraine. Ça peut être écrit par quelqu'un d'autre, d'ailleurs de la région, mais si ça concerne la Lorraine, c'est le prix Herkman Chatrillon, 1925. Seconde question, pareil, ça risque d'être un petit peu facile pour l'un de vous trois. En quelle année le Festival des Imaginales d'Épinal a-t-il été créé ? Était-ce en 1980, en 1998 ou en 2002 ? Laetitia, je ne vous donne pas la parole. Marie-Claude ? Réponse 2. Ouais, c'est-à-dire 1998. Manuel ? La réponse 3, je crois que l'année prochaine, c'est la 20e édition. Donc Peut-être. Voilà. Laetitia ? Réponse 3. Réponse 3. 2002, effectivement. Bravo, le Festival des Mondes Imaginaires d'Épinal, que vous fréquentez, donc on va peut-être en parler un petit peu quand même. Donc 2002, et c'était initialement sous la direction de Bernard Viss, et c'est aujourd'hui sous la direction de Stéphane Wieser à la ville d'Épinal. Et sous la direction artistique de Stéphanie Nico, qui habite Nancy, mais qui a évidemment des attaches incroyables à Épinal, avec ce Festival des Imaginales, j'ai envie de dire second festival des mondes fantastiques, à savoir fantasy, science-fiction, héroïque fantasy, etc. Mais plus le temps passe, il y a Nantes aussi, hein, dites-moi si je me trompe, l'autre festival... Les Utopiales. Les Utopiales, c'est bien Nantes. C'est, je pense. Voilà, il me semble. Mais spécifique SF. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, chacun vraiment, c'est. Mais bon, il y a aussi de la SF aux Imaginales. Donc voilà, les Utopiales et les Imaginales, les deux plus importants festivals de littérature des mondes imaginaires, si on fait un petit peu global. En France. Alors justement, les Imaginales et votre travail, Laetitia Renders, on peut en parler un tout petit peu plus longuement si on a quelques minutes. Oui, c'est bon. Vous êtes auteur de littérature, romancière, science-fiction, pas science-fiction. Ça, je ne fais pas. C'est voilà. Fantastique ou fantasy? Urban fantasy. Ah, urban fantasy. Urban fantasy. Allez, qu'est-ce que c'est l'urban fantasy? Donc en fait, c'est les créatures dans le monde, dans un monde urbain, spécifiquement, généralement la Terre. Donc on les inclut dans notre monde à nous. Donc j'ai commencé avec Rouge Poison, Vampire Sorcière, et puis La Gardienne du Miroir, là c'est Ange Démon, qui se passe en Lorraine. Donc je me base sur la légende du château de Gombervaux. Donc j'essaye toujours, même dans le fantastique, que ce soit des lieux connus, donc, qui existent réellement, pour donner un petit côté réel au fantastique. Secteur de l'édition qui se porte très bien. Le fantastique, qui se porte très bien, mais qu'on essaye un petit peu d'évincer. D'évincer ? Oui, on n'aime pas trop le mauvais genre, que ce soit le polar. On, c'est qui on ? Les gens de la littérature blanche, c'est les grandes maisons d'édition, ou les grands... Le monde littéraire, en tout cas, caractérise le fantastique et le polar de littérature de mauvais genre, littérature noire, et elle n'a pas toujours la cote. En tout cas, le public... Par contre, on a le public, c'est voilà. Ça qui nous sauve, je dirais. Voilà. Il a la cote. Heureusement qu'on a les lecteurs qui, justement, ont besoin, je pense, de l'imaginaire, de s'évader pour un petit peu quitter le monde réel, ce qui se passe, les problèmes qu'on vit... En ouvrant un bouquin de littérature fantastique, on peut tout imaginer. Quel est votre style? Quel est votre genre? Quelle est votre technique d'écriture? Il y a deux types, généralement, d'auteurs. Donc, il y a les architectes et les jardiniers. L'architecte, il a toute l'ossature du livre. Le jardinier, il sème. Je suis une jardinière, je sème la graine et je vois ce que je récolte. Donc, quand je commence une histoire, je ne connais jamais la fin. Et je me laisse guider au fil des jours. Et globalement, dans le monde de la littérature imaginaire, c'est quoi? C'est quelle proportion entre les jardiniers et les architectes? Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Je pense que chacun a un peu son style, sa manière, ses petits rituels. Il faut trouver la sienne. Donc j'ai déjà essayé l'ossature, j'ai déjà essayé l'architecte. Quand on fait du roman historique, on n'a pas trop le choix, il faut se coller à l'histoire. Donc j'ai fait un sur la famille Romanov. Donc là, je devais me coller un petit peu à la charpente de l'histoire russe. Pour moi, ça a été plus compliqué que de semer la graine et
d'avoir une idée de départ et puis de la laisser aller au fil de mon imagination. Manuel, plutôt jardinier ou plutôt architecte? Bah là, pour le coup, plutôt architecte, parce que là, j'avais les plans. Donc, du coup, il fallait impérativement sur celui-ci. Voilà, j'avais déjà le plan, toute l'histoire. Donc, il fallait que je mette en œuvre tout ça. La difficulté, entre guillemets, c'était de trouver, en fait, quelle partie mettre en image pour pouvoir mettre en relation le texte et le dessin. Donc, Et à titre personnel, sur vos autres travaux? Et sur les autres travaux, c'est plutôt jardinier aussi, oui, effectivement. C'est-à-dire, voilà, j'ai une idée qui va me passer comme ça dans la tête et je la mets en image. Alors des fois, ça aboutit, des fois pas, mais en tout cas, c'est clairement jardinier. Oui. Allez, nos téléspectateurs, ils peuvent vous retrouver les uns les autres sur vos pages Facebook respectives, donc Manuel Villanueva ou Manu Art, je ne sais pas comment... Manu Art. Laetitia Renders, donc romancière, scénariste de style fantastique plutôt. Non, pas fantastique, votre genre littéraire de prédilection? Je fais un petit peu tout. Un petit peu de tout, ok. Un petit peu de tout, oui, du fantastique. J'ai commencé par le fantastique. Ok, à suivre. On se reverra sur les imaginales. Et puis Marie-Claude, c'est déjà la fin de cette émission. Marie-Claude, ce dernier titre, un peu plus loin, à découvrir pour les adeptes d'un personnage féminin et en proie avec des problématiques de philosophie d'entreprise, des problématiques personnelles comme sur votre premier roman. Et puis là, ça se passe, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'Infernal Trail de Saint-Nabor. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Bonne continuation. Merci à vous de votre attention. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission.